Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie, nous t'adorons. Pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection. C'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection. Lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es Tu t'es avancé au milieu des péchés.
justice, comme l'agneau muet qui porte le péché du monde. Tu es descendu dans les flots du Jourdain, et l'Esprit est venu sur toi. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 24. Rachète Israël, ô Dieu, rachète.
ses angoisses. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 35. Pour l'impie le péché, au fond de son cœur. Voilà le peuple de Dieu, devant ses yeux, il se voit d'un œil trop flatteur, pour découvrir son tort. Dans sa bouche, que sur sa couche, il sortit de la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise, il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au nu ta vérité, ta justice, une montagne de Dieu. Tu es le jugement, le grand abîme. Tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre du désert, un ami. Il est enivre de la graisse de ta maison. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase. Que la main des impies ne me chasse. Abattu sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Caressez par le sol très haut, qui habite une demeure inaccessible. Sur leurs lèvres. Père,
Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. En toi la joie de notre cœur, que tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, que tu as sauvé notre âme de la mort. Acclamez le Seigneur de terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. De Rupert de Deutz au XIIe siècle, Jésus s'immole pour rassembler les fils de Dieu. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple afin d'éviter que la nation ne périsse tout entière ?» Il ne dit pas cela de lui-même. Que signifient ces derniers mots « Il ne dit pas cela de lui-même » Sinon que Caïphe ne tira pas cette parole de son propre fond. En vérité, avant que Caïphe n'existât, déjà avait été dite cette parole. Jésus devait mourir pour le peuple. Oui, cette parole avait été révélée au saint prophète. Elle avait même été prononcée avant que les prophètes ne viennent au monde, avant qu'Abraham eût reçu l'existence, avant qu'Adam eût été façonné. Cette parole était déjà dans le bon plaisir du Père lorsqu'il déclara « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est alors qu'il fut dit que Jésus devait mourir pour le peuple. Caïphe ne dit donc pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa. Et quoi donc ? Qu'il fallait qu'un seul homme, un homme unique, le Saint des Saints, le Soleil de justice, Jésus-Christ, meure pour le peuple. Et non seulement pour le peuple issu d'Abraham, mais encore pour tous ceux que Dieu avait destinés dès la création du monde à devenir pour lui des fils. Ils avaient été jetés hors du paradis originel et dispersés aux quatre vents du monde. Il fallait les rassembler de toute la masse humaine jusqu'au dernier élu.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Désolation, que ta face illumine ta ville sainte de sa lumière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tarde pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Gloire. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints,
saints, ceux d'autrefois, ces prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous donner qu'affranchi de la crainte, et délivré des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père. Thank you.
Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Non.